Nous sommes de la coopérative Bupenza, située sur la route Kanda. Cette coopérative a été créée en octobre 2014. Avant, nous n'étions pas regroupés en coopérative. Chacune travaillait individuellement et on ne faisait pas de grandes superficies. Mais avec l'appui de la FAO, nous avons fait notre champ sur la route de Kanda. Nous avons planté sur 2 hectares. Et depuis que nous sommes regroupés en coopérative, nous avons constaté que le travail en coopérative était le meilleur travail. Parce que individuellement, il n'était pas facile qu'une femme puisse cultiver sur 1 hectare. Regroupés en coopérative, le travail est vraiment simple. Le travail a été facilité parce que nous avons travaillé en groupe et le travail en groupe a marché. Il nous a permis de cultiver sur 2 hectares parce que nous avons trop de pertes. Même quand nous avons l'habitude de faire nos champs personnels, nous avons trop de pertes en manioc. Parfois le manioc pourrit avant la récolte, parfois ce sont les bêtes qui nous détruisent le manioc. Mais avec les formations que nous avons reçues de la FAO, désormais nous allons prendre le devant de pouvoir penser à la transformation. Dans le cas où nous n'avons pas trop de clients qui viennent nous acheter le manioc en sac, nous pourrons désormais transformer notre manioc en gari parce que le gari se conserve longtemps et il est très facile à la cuisson. Par rapport aux techniques que nous avons reçues par la FAO, nous avons également retenu que nous devrons désormais tenir un cahier de compte d'exploitation. Nous avons aussi appris à tenir un cahier journalier, donc dans lequel nous notons les présences de tous les membres qui participent au travail. En coopérative, le travail était vraiment simplifié. Et nous travaillons de 8h à 13h. On arrive à nettoyer une grande superficie par rapport à lorsqu'on travaille seul. On n'arrive pas à faire un grand bloc de sarclage. Thank you.